L'être humain dans sa complexité la plus folle a toujours inspiré les grands auteurs, surtout quand ceux-ci sont façonnés et dirigés dans leur vie par un passé qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui a choisi de faire de son œuvre un hommage magnifique à l'homme passionné par l'histoire, la petite créant la grande. James Gray est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 22 ans. Par choix, ce réalisateur a fait de son œuvre un ensemble minimaliste, cherchant à s'approprier totalement ses sujets et à relier la matière de son cinéma à des thématiques qui lui sont chères avant de créer les œuvres qui feront sa légende. Car oui, James Gray est un grand cinéaste, passionné par les mythes du 7e art et par les mythes de l'être humain, celui qui traverse l'histoire et qui cherche à se façonner en fonction de son passé et de son futur, de ce qui lui est légué et de ce qu'il pourrait faire, et en cela, il plonge son cinéma dans la lignée des grands auteurs du 7e art américain. Beaucoup ont vu dans James Gray, dès ses débuts, un cinéaste se reliant à Francis Ford Coppola, de par ses thématiques sur la famille et sur la filiation d'un homme par rapport à un père. Ses films abordent toujours la marque que le passé va apposer sur la vie d'un homme et sur ses actions dans le présent. Le cinéma de Gray tourne avant tout autour de cette idée que si un homme peut choisir la direction que prendra sa vie, celui-ci sera toujours régi directement ou indirectement par les choix de ses ancêtres, des choix qui en feront un homme de bien ou un homme de mal, un homme allant à l'encontre ou dans la pure lignée de ses parents. Ce n'est pas pour rien que les morales de ces films sont rarement noires ou blanches, mais souvent remplies de nuances de gris, comme si un homme ne pouvait pas faire de mauvais choix tant que celui-ci s'y tient comme une promesse faite à son passé d'honorer ce présent qu'il a choisi de devenir et non qu'il a choisi comme une fatalité devant ses pères. Gray voit dans ses personnages des ardoises vierges de tout passé, narratif en tout cas, et en fait des tableaux vides où le spectateur peut projeter ses passions les plus folles et les plus sombres. Cinéaste de l'ambivalence de l'homme et de la catharsis des choix que celui-ci fait dans sa vie, il touche rapidement le spectateur et s'impose comme un auteur emblématique. Emblématique dans le sens où chacun de ses films, même s'ils sont parfois difficiles d'accès, renferme une part d'universalité, cette idée de filiation qui fait la force d'un auteur et la puissance d'un récit subtil et élégant qui permet à celui-ci de se projeter dans les aventures d'un héros souvent ambigu mais évocateur par cela. Un frère, un père, un homme, qu'il soit amoureux, perdu ou simplement faible, chacun de ces personnages est avant tout un être humain. Et s'il s'intéresse surtout aux hommes, cela n'empêche pas à Gray de se projeter du point de vue de la femme, qu'il voit comme un être bien supérieur à l'homme, capable de contrôler seul son histoire et d'aller plus facilement à l'encontre de son passé sans pour autant le renier. Si l'on voit dans Gray un cinéaste visionnaire, c'est parce que celui-ci s'est imposé rapidement et en peu de films comme un auteur maîtrisant ses sujets et étant capable de passer par différents genres sans pour autant laisser de côté ses thématiques. Gray est un auteur de génie qui n'a pas eu besoin de multiplier les œuvres pour s'imposer, mais simplement qui a cherché à faire du cinéma son cinéma. S'il a aussi peu de films à son actif et qu'il met souvent un peu de temps à choisir ses sujets, c'est parce que Gray veut avant tout que son film imprime une vision claire du monde, sa vision. Celle d'un cinéaste qui ne veut pas que le spectateur se pose des questions sur ses personnages et remette en cause les réflexions de son film, mais simplement cherche à comprendre ce qui motive un personnage. Pour Gray, un personnage dont les motivations sont questionnables est bien plus passionnant qu'un personnage dont les actions sont faciles à remettre en cause. Car finalement, ce qui fait la force d'un héros, ce ne sont pas ses actions, c'est ce qui fait que ses actions peuvent avoir un impact sur le monde, sur son monde et sur nous. Plonger dans le cinéma de James Gray, c'est faire de l'homme face à une caméra une belle remise en question de l'impact du passé sur la vie d'un personnage. Gray est un auteur qui voit dans le 7e art un moyen de questionner les actions de nos pères afin de mieux comprendre pourquoi nous agissons en fonction de leurs erreurs.